Pendant que Dorothée était au pays d'Oz, oncle Henri et tante Emma s'étaient affairés à réparer les dommages causés par la tornade. Ils avaient déjà reconstruit la maison et la nouvelle grange était presque terminée. Oh, magnifique! Si seulement Dorothée était là pour voir toutes ces rénovations. Mais ma chérie, ne parlons pas de Dorothée, ça nous rendra trop tristes. Hein? Bonté divine, est-ce que ce sont mes yeux qui me jouent les tours ou si c'est bien Toto? Mais il ressemble drôlement à Toto, mais c'est impossible puisque la tornade l'a emporté lui aussi. Mais c'est lui! C'est Toto, ça ne peut être que lui! Oh, si ce n'est pas lui, l'imparfait sosie. Et il te connaît de toute évidence. Ça ne peut pas être un autre chien que Toto. Mais j'imagine que non. Mais d'où peut-il bien sortir? Mais Dieu seul le sait, il sort droit du ciel. Mais c'est pourtant bien Toto. Il nous est revenu. Mais tout seul. Toto est notre Dorothée. Emma, ne commence pas. Si Toto est revenu tout seul, ça prouve bien qu'elle n'est plus de ce monde. Mieux vaut retourner au travail. Et essayer de ne pas y penser. Oh, oh mon Dieu, Henri. Je t'en prie, arrête de te torturer. Henri, oh, oh, tu vois là-bas, regarde. Hein? Oh là là, tu la vois toi aussi? Oui, mais ça ne se peut pas. Oh. Mais c'est tout simplement impossible. Oh. Oh, nous sommes fous tous les deux ou Dorothée est revenue? Tante Emma, oncle Henri, je suis de retour, je suis de retour. Dorothée. Oh. Tante Emma! Dorothée! Ma petite Dorothée! Tante Emma! Le restant de la journée et une bonne partie de la soirée, Dorothée leur parla du pays d'Oz et de ses aventures extraordinaires. Alors j'ai frappé ensemble 3 fois les talons de mes chaussures magiques en disant « Ramenez-moi à la maison !» Et c'était fait! Oh là là! Quelle histoire, dis donc. Oh, je sais que c'est difficile à croire, mais c'est vraiment arrivé comme ça, c'est vrai, tu sais. De toute façon, les chaussures magiques appartenaient à la méchante sorcière écrasée sous la maison. Oh, la méchante sorcière. Eh bien, mon Dieu, quel pays extraordinaire, Oz. Oui. Pourquoi fais-tu ça? Pour vérifier. Tu ne fais pas de fièvre. Tu te sens bien? Mais bien sûr que je me sens bien, ne t'inquiète pas, je ne délire pas. Bon, d'accord, Dorothée. Alors, dis-moi, cet endroit s'appelle bien Oz? Oui. Et ce n'est pas tout près d'ici. Et durant ton séjour, tes meilleurs amis étaient un épouvantail, un bûcheron de fer blanc et un lion. Tu ne t'attends tout de même pas à ce que nous croyons cela. Mais c'est pourtant vrai, oncle Henri. Oz existe. Oh, si seulement Toto pouvait parler. Il vous confirmerait que je ne vous mens pas, lui. Il aime le pays d'Oz autant que moi. Il me l'a dit souvent. Écoute, Dorothée. Personne ne t'accuse de mentir, ma chérie, mais on ferait mieux de t'amener chez le docteur. Pour voir si tu ne te serais pas cogné la tête et que tu n'aurais pas imaginé tout ça. Je ne me suis pas cogné la tête, je ne l'ai pas imaginé. Tout ce que je dis est vrai. Et à propos de tes fameuses chaussures magiques, je n'en vois qu'une seule. Une seule? Ah, c'est bizarre, ça. Oh, j'ai sûrement dû la perdre quelque part. J'étais tellement excitée que je ne l'avais même pas remarquée. Oh mon Dieu, quel dommage. Si tu avais les deux, tu pourrais nous montrer exactement comment tu as fait ça. J'ai dû la perdre pendant que je courais à travers les champs. Il faudrait que je la retrouve pour pouvoir vous prouver qu'elles sont magiques. Oh, ça peut attendre. Bois donc un peu de chocolat. Nous en reparlerons demain matin, si tu veux. D'accord, ça sent bon le chocolat. Ah, c'est bon! Même au pays d'Oz, il n'y avait rien pour égaler ton chocolat chaud. Allez, bois. Bon, j'ai préparé ton lit. Allez maintenant, jeune fille. Tout est comme avant. Mais bien sûr, je savais que tu reviendrais à la maison. Enfin, mon lit! À moi! Que c'est bon d'être chez soi. Bonne nuit. Je sais que ça leur est difficile de nous croire, Toto. Si nous n'y avions pas été nous-mêmes, nous ne croirions sans doute pas que Oz existe, nous non plus. Quelque part loin, très loin, dans un pays où un épouvantail et un bûcheron de fer blanc peuvent marcher et parler, et où il y a un lion qui a déjà eu peur, même de son ombre.
jour on les y emmènera. C'est quand même incroyable. Tu sais, je suis inquiète. Elle a dû se cogner la tête. Je ne sais pas. Elle a l'air normale, enfin, à mon avis. Peut-être qu'après une bonne nuit de sommeil, elle aura tout oublié au sujet de ces histoires farfelues d'Oz. Je l'espère bien. Remercions simplement le ciel qu'elle nous soit revenue. Je t'assure, quand je l'ai vue courir vers nous... Je sais, Emma, c'est un miracle. Seigneur, nous vous remercions de tout cœur. Oh, Seigneur, merci de nous avoir renvoyé notre Dorothée chérie indemne. Elle nous a tellement manqué. Ainsi soit-il. Oh là là, tu as reconstruit toute cette grange toi-même? Mais bien sûr, Dorothée. Et la maison? Avec tante Emma. Incroyable. J'ai l'impression que c'était hier que la tornade m'a emportée. L'ancienne maison est encore au pays d'Oz. Je l'ai laissée chez les Munchkins. Mais quoi? Les Munchkins, tu dis? C'est ça. Ils habitent dans la région de l'Est. Je vous en ai déjà parlé. Oh, bien sûr, ces Munchkins-là. Où vas-tu comme ça? Dans les champs, pour chercher ma chaussure. Allez, viens, Toto. Regarde tous ces épis de maïs, tu sais, ça me rappelle le jour où nous avons rencontré Épouvantail pour la première fois, tu te souviens? Oh, regarde, il y en a un autre ici. Comment allez-vous, monsieur l'Épouvantail? Je suis Dorothée et mon chien, c'est Toto. Tadam! Est-ce que j'ai l'air différent? J'espère parce que j'ai un cerveau à présent. Oh, quelle bonne nouvelle, Épouvantail! Je vais enfin pouvoir penser. Oh, j'aimerais tellement que tu sois là, Épouvantail. Et Lion et Bûcheron aussi, vous me manquez tous tellement. Dorothée! Mmh? Oh! Bonjour, ma chérie. Je vous ai apporté à manger à Toto et à toi. Oh, merci beaucoup. Ils sont beaux, mes épis de maïs, non? Mmh. Avant longtemps, il faudra bien se décider à moissonner tout ça. Le maïs pousse un peu plus haut au pays d'Oz. Et il n'est pas vert, il est violet. Quoi? À Oz, il y a du maïs violet? Mm-hmm. C'est dans un champ de maïs que j'ai connu Épouvantail. Oh, vraiment? Dis donc, as-tu réussi à retrouver ta chaussure? Eh non, aucune trace. Mais je vais continuer mes recherches. Je vais vous prouver à toi et à tante Emma que Oz existe vraiment. Je vous y emmènerai peut-être même. Bien sûr. Merci pour le bon repas, au revoir. Voilà, je suis revenu. Dorothée va bien? Elle va bien. Quoi? Et pas toi? Ah, je suis surtout perplexe. Tu vas penser que je suis fou, mais... Eh bien, je crois qu'elle dit la vérité à propos du fameux pays d'Oz. En fait, je pense qu'il pourrait bien exister. Tu veux tellement te persuader qu'elle dit la vérité que tu es même prêt à croire à ses contes de fées. Je ne sais pas. Rien qu'à voir son regard, rien qu'à sa façon de parler du pays d'Oz, elle ne peut pas inventer, elle y était. Oh, et puis je ne suis qu'un vieux fou. Pas le moins du monde, voyons. Je ne sais plus. Je sais seulement que Dorothée n'aurait jamais menti auparavant. Je ne vois pas pourquoi elle mentirait aujourd'hui. D'accord, c'est une petite fille, mais sa parole vaut bien celle des autres quand même. Écoute, je suis aussi tentée que toi de la croire. Mais un royaume légendaire rempli de sorcières et de magiciens, il ne faut pas exagérer, non? Oh, je ne sais plus ce qu'il faut croire. Je suis certaine que nous avons atterri ici, Toto, mais je ne vois pas de trace de la chaussure. J'espère qu'on la retrouvera bientôt. Oh là là, on dirait qu'il va pleuvoir. Il vaudrait mieux rentrer bien vite. «
Chaussures magiques, tu parles. Et l'autre, bien entendu, on n'en verra jamais la couleur. Bon, en attendant, toi, tu n'es bonne qu'à mettre à la poubelle. Oh, allez, avec les saletés. On ne sait jamais. Tout le monde est prêt? Oui. Oh, j'ai très envie d'aller en ville. Je suis si contente que tu m'emmènes avec toi, oncle Henri. Mais je ne te laisserai jamais toute seule ici. La dernière fois que c'est arrivé, tu t'es volatilisée avec cette tornade. Et puis nous aurons une belle surprise pour toi quand nous serons en ville, Dorothée. Oh, chic alors. Allez, magnifique journée. Un temps splendide pour la surprise qui vient d'arriver en ville, tu ne trouves pas? Oui, ça devrait être une journée mémorable pour Dorothée. Voir la cité d'Émeraude. Ah oui? À propos, à quoi ressemble-t-elle la cité d'Émeraude? Ah, c'est magnifique! On dirait un immense palais tout en haut d'une montagne. Est-ce que tu as été dans ce palais? Oui, j'y suis d'abord allée pour voir le magicien et après son départ, j'y suis restée avec Épouvantail. C'est le roi du pays d'Oz maintenant. Un Épouvantail roi? On aura tout entendu. Le magicien a nommé Épouvantail roi avant son départ. Je devais partir avec lui, mais son ballon s'est envolé avant. Son ballon s'est envolé, c'est ça? Tu comprends ce que je veux dire à présent, Emma. Comment peux-tu croire qu'elle ne soit pas allée là? Ah! Oh, le cirque! Oh là là! Est-ce que c'est ça, ma surprise? Oui, ma chérie. Toto, c'est le cirque! Regarde, un ours dressé! Oh, il est énorme! C'est incroyable. Non, ce n'est pas possible. Mais si, c'est bien lui. Le merveilleux magicien d'Oz. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je suis sûre que c'était lui et personne d'autre. Dorothée, c'est Kansas et c'est pas le pays d'Oz. Je sais, mais le magicien a quitté Oz, c'est ce que je viens juste de vous dire, tu te rappelles? Il est parti en ballon pour venir jusqu'ici. Il vivait ici avant d'habiter Oz. Tu m'en diras tant. Wow! Oh, oh. Oh, je viens tout juste de me rappeler quelque chose. Le magicien m'a dit qu'il travaillait dans un cirque avant. Il était dans sa montgolfière. Mais écoute, un instant, Dorothée. Tu vas trop vite, tu comprends? C'est très difficile de te suivre. Dorothée, viens t'asseoir, ma chérie. Je ne peux pas, tante Emma. Il faut que j'aille lui parler tout de suite. Dorothée! Oh. Vous ne comprenez donc pas qu'il peut vous prouver que Oz existe? Dorothée, attends! Je la croyais vraiment, mais maintenant, je trouve que c'est un petit peu exagéré pour être vrai. Oh, écoute, elle retrouvera peut-être la raison quand elle verra qu'elle ne connaît pas du tout cet homme. Espérons-le. Tu peux pas entrer, la petite. Le spectacle ne commence pas avant demain. On est encore en train de s'installer. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un lion qui rugit là-dedans. Et les lions ne sont pas très gentils. Alors va-t'en maintenant, disparais. Il y a des lions qui sont gentils. De toute façon, je voulais seulement voir le magicien. C'est un de mes bons amis, c'est vrai. Je le connais très bien. Hein? Tu as dit que tu as un ami qui est magicien et qui est avec le cirque? Oui, c'est bien ça. Il était là il y a une minute. Ah oui, un magicien. Oh, bien sûr, on le connaît, le magicien. On est sous son charme, d'ailleurs. Tu ne vois pas qu'il nous a transformés en grenouilles? Vous voilà, monsieur le magicien. Quoi? Monsieur le magicien! Non, monsieur le magicien, attendez! Hein? Il y a quelqu'un d'autre qui pense que ce cinglé est un magicien? Ça, alors, il l'est peut-être. C'est moi, Dorothée. Vous devez vous souvenir de moi. Pourquoi ne dites-vous rien? Écoute, il faut que je m'en aille. Non, s'il vous plaît, attendez. Hein?
Dites-moi au moins que vous me connaissez. Oh, je te connais bien, Dorothée. Pourquoi je sais vous comme ça? Agir comment? Hein? Comme si vous aviez peur de moi. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le magicien? Hé, hey, monsieur le magicien, attends! T'as un lapin dans ton chapeau, monsieur le magicien! Viens, Dorothée, allons dans ma tente. Assieds-toi. Merci. Je m'excuse, Dorothée, seulement je ne parle plus d'os depuis que je suis de retour. Tu vois, personne ne m'a cru, ils pensaient que j'avais perdu la tête, ils voulaient me faire enfermer. Ah oui, je sais comment vous devez vous sentir, mon oncle et ma tante ne me croient pas non plus. On ne peut pas leur en vouloir. À ce propos, je suis désolé d'être parti sans toi, mais tu étais beaucoup mieux au pays d'os. Je dérivais pendant des semaines avant d'atterrir au Kansas. Comment ça? Mais vous deviez aller à Omaha, pas au Kansas. J'aurais pu arriver à la maison plus tôt, alors? Eh bien, oui, mais comme je te l'ai dit, tu n'aurais pas pu apprécier ton voyage. Qui sait où je pouvais être? Je ne trouvais pas le chemin du retour. Et parlant de retour, comment es-tu revenue, toi? C'est Glinda qui m'a montré comment me servir de mes chaussures magiques. Oh. Lion, Bûcheron et Épouvantail m'ont amené la voir. Toto, sors de là! De toute façon, ce n'a pas été une partie de plaisir pour y arriver, mais le voyage en valait bien la peine. Oh, Glinda, l'être le plus charmant que je connaisse, j'aimerais bien la revoir. Oh, c'est vrai? On dirait que Oz vous manque, monsieur le magicien. Êtes-vous sûr que vous ne pouvez pas y retourner? Épouvantail serait ravi que vous habitiez avec lui. Oh, si seulement je le pouvais, Dorothée, mais je n'en prendrais plus le risque. On ne peut pas prévoir avec une montgolfière, tu comprends? En tout cas, j'espère que la vie de cirque est aussi exaltante, monsieur le magicien. Tu vas arrêter de m'appeler comme ça, s'il te plaît, Dorothée. Comme tu le sais mieux que personne, je ne suis pas du tout un magicien. Et les employés ici aiment bien me taquiner avec ça. Non, je ne parle pas d'Oz en ce moment et je te conseille de faire la même chose, sinon nous aurions des ennuis. Qu'est-ce que vous faites au cirque? Oh, je suis Monsieur Loyal. C'est amusant parfois, mais ça ne l'est jamais autant que sur Oz, pas vrai? Il n'y a rien d'aussi intéressant que Oz. Parfois, il y avait même trop d'action d'ailleurs. Non, je suis très heureuse d'être ici en ce moment. Oh, Oz, mon seul vrai foyer. Je n'aurais jamais dû le quitter, je m'en rends compte. Excusez-moi, c'est à ton tour, Monsieur le magicien. Sors d'ici, toi. Il m'énerve, celui-là. Bon, eh bien, au revoir, il faut que j'aille travailler. Je comprends. Je donnerais n'importe quoi pour retourner sur Oz. Honnêtement, ça me manque de plus en plus, je dois bien l'avouer. Oh, et puis, qui sait? Peut-être qu'un jour, je trouverai le moyen d'y retourner. Allez, au revoir. Hein. Me revoilà, tante Emma. Dorothée, tu arrives à point. Tiens, essaie ça. Oh, eh bien, c'est très joli, mais... Dorothée, tu es de retour. As-tu pu voir ton ami, le magicien? Oui, mais... Mais quoi, ma chérie? Oh, tu n'es pas obligée d'en parler si tu n'en as pas envie, ma chérie. Allez, viens, continuons nos emplettes. Approchez, approchez! Achetez vos billets sous le chapiteau! Venez tous! Premier spectacle demain après-midi! Le spectacle le plus extraordinaire que vous aurez jamais vu! Vous éprouverez des émotions fortes. On arrive juste à temps pour voir la parade, je crois! Au monde qui défie la mort! Vous frissonnerez au rugissement d'un homme qui mange du tigre! Je vais être heureuse, j'ai déjà acheté nos billets! Oui, pour demain! Et vous n'aurez plus jamais cette occasion! L'occasion de revoir autant de numéros sensationnels réunis sous un même chapiteau. Venez tous, venez nombreux. Premier spectacle demain après-midi. Achetez vos billets pendant qu'il est encore temps. Premier arrivé. Ça a l'air d'être magnifique. Demain après-midi. Quoi? Oh oui, oui. Le spectacle de votre vie. Des clowns, des athlètes, des incidents. Mais doucement, Emma. Au revoir, monsieur le magicien. Dorothée, est-ce que je peux te demander ce qui s'est passé quand tu as été voir ce fameux magicien? Il ressemblait beaucoup à mon ami le magicien, c'est tout, mais ce n'était pas lui. Oh, tu as dû être drôlement déçue. Oui. Oui, je l'ai été.
Il n'y a plus qu'un seul moyen d'arriver à vous persuader que Oz existe, c'est de vous y emmener. Quoi? Je ne sais pas comment le faire. Mais n'est-ce pas que ce serait merveilleux d'aller sur Oz ensemble? Mais bien sûr, ce serait formidable, chérie, mais oui. Ma chaussure? Si je retrouvais mon autre chaussure magique, il y aurait un moyen. Dorothée était triste de s'être rendu compte que le magicien était malheureux et elle n'avait pas pu se décider à lui demander de parler d'Oz à son oncle et à sa tante. Mais si seulement elle pouvait retrouver l'autre chaussure magique.